crois qui, Beckman, il a eu le parcours en or cette fois-ci. Bah ouais, on va pas être malheureux à chaque fois. Non, l'autre jour, ouais, c'est vrai qu'il a été très malheureux. Je pense qu'il aurait gagné sans ça. J'étais vraiment facile et il a pas eu une course très dure. Finalement, bah, la preuve, il a gagné aujourd'hui. Donc c'est qu'il a pas eu une course dure. Et non, bah, c'est un peu logique qu'il gagne, hein, parce que c'est un super cheval. On avait peur forcément du cheval à Philippe Dejar, qui était quand même un super cheval. Il était dans mon dos quand même, il a eu la bonne course. Non, il n'y a rien à dire, pour moi le meilleur à gagner, tout simplement. Philippe deuxième avec Univers, il fait encore une belle performance. Oui, il a bien fini, malgré tout. Donc un cheval comme Beckman est très rapide aussi, donc pour faire les 500 derniers mètres, et donc j'ai pas pu le remonter totalement. Malgré tout, donc je suis content de sa course. Oui, un parcours sans encombre, tout s'est bien passé. Oui, tout à fait. Bon démarrage, ensuite j'ai pu patienter. J'étais dans le lot du cheval de la course, donc il ne fallait pas s'énerver. Et puis donc j'ai aucun regret, il a été meilleur que moi dans ce genre d'exercice. Mais le mien donc m'a encore fait plaisir. La suite de son programme, on est impatient de le revoir. Est-ce que il y a des chances qu'il aille à l'étranger, par exemple? Il va faire la monte, donc il ne pourra pas tout faire. J'aimerais bien parce que je pense qu'il a le profil pour faire ce genre de course. Donc on va voir donc l'état de forme qu'il aura au printemps, puisque d'abord donc il va falloir qu'il va faire la monte. On va voir le comportement qu'il aura donc lorsqu'il sera à la monte. Est-ce que ça sera trop dur pour lui de faire les deux à la fois? Je ne sais pas. Donc d'un côté, je pense qu'il a des capacités pour ça. Et puis après, donc il faudra voir comment il va être au niveau de son état de forme. On continue l'hiver avec lui, évidemment, il reste quelques courses à courir. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a pas fait, qu'il n'était pas hyper éprouvé. Donc par conséquent, si la prise de sang est correcte, il se peut qu'il court dimanche le Prix de France. Mais on va voir les engagés parce que vous savez, deuxième ligne à l'Autostar, c'est pas facile. Je dirais que si c'est le cas, on courra parce que pour se faire plaisir. Non, non, il court très bien, il a sa place. Les deux autres sont, à mon avis, meilleurs que nous. Il a fait le boulot quand même en haut de la côte. Bah, c'est vrai, j'étais obligé de sortir au 500, mais avant j'ai eu un bon parcours quand même, faut pas se plaindre. Il a été un peu la tête au vent, mais pas longtemps, et j'allais facile durant le parcours, ça ne me dérangeait pas. Qu'est-ce qui t'a décidé à courir comme ça à une semaine d'intervalle, parce qu'il avait eu quand même une vraie course, hein, le Jacques Andrieux? Oui, c'est vrai qu'il a eu une bonne course, mais il n'a pas fait dur, parce que j'ai laissé faire au début, il est venu finir. Et après, j'avais pas grand-chose à courir, le chat avait bien récupéré de sa course, c'est pour ça que je me suis décidé à courir. La suite de son programme? Je pense qu'il va recourir Atlet. Le prochain coup, c'est Autostar pour 700 000 euros.